Watu eletewa shi maore na bibi mwananya tu mtumshevale. Et je pense qu'il faudrait continuer en français parce que c'est la loi d'ailleurs, la départementalisation, c'est pourquoi on a choisi d'être français et c'est pour avoir les deux cultures en même temps. Et pour cela, nous remercions le préfet et ses collaborateurs qui sont venus dans notre commune et pour nous informer et surtout, je pense, nous convaincre des règlements français qui sont mis en place et qui à Mayotte. Et je pense pour cela que tous les Mahorais vont répondre présent le 29 mars pour choisir la départementalisation. Et je sais que le préfet ne va pas obliger les Mahorais à voter oui, mais il va nous éclaircir sur les règles de la départementalisation. Et à partir de là, c'est les Mahorais de choisir leur choix. Et je pense qu'on votera massivement, sauf si nos voisins qui sont à côté, ils ont déjà mis beaucoup d'enfants ici qui sont assez grands pour détourner le bateau. Mais je ne pense pas que ça sera comme ça. Et sans perdre de temps, je pense qu'on va inviter M. le préfet à monter. Narimre metena samalahe manao de tukufu avina usabahan. Moi, je ne viens pas vous dire s'il faut voter oui ou s'il faut voter non. Je ne viens pas vous interdire de voter oui ou de voter non. Ça, c'est la liberté de chaque électeur. Par contre, la départementalisation est un sujet compliqué et nous avons pensé que des explications sur ce qui vous est proposé par le gouvernement sont nécessaires. Et puis cette rencontre permet de clarifier les enjeux avec tous ceux qui font la société mahoraise, avec tous ceux qui font la société de Bandrabois, les élus bien sûr, mais aussi les notables qui ont l'expérience et qui ont le savoir dans la commune, et les mamans qui savent ce qui est bon pour Mayotte parce qu'elles savent aussi ce qui est bon pour leurs enfants. Je suis heureux de les rencontrer tous aujourd'hui pour entamer avec vous cette campagne d'explication sur la départementalisation. Wa mama, wa baba, mahoko, mabakoko, assalamu alaikum. Wana prefa mwambiana masubushile ndabuzmarahaba, vumwaja vani hawengi, mwakoja mjomadisi na wae ya mwaledzeni zozandelea vani, rakoja vani jermwaledzeni zostoja na idepartema mesura mwvu. Il y a une chose qui ne vous est pas demandée, c'est voulez-vous rester français? Mayotte est déjà une terre de France et le restera pour toujours. Les Mahorais ont déjà dit qu'ils voulaient être français et le gouvernement a déjà dit qu'il voulait que Mayotte reste français. Et je le dis avec force devant vous, aucune manœuvre de qui que ce soit n'empêchera la consultation du 29 mars de se dérouler et aucune manœuvre de qui que ce soit n'empêchera le gouvernement de donner satisfaction aux Mahorais, quel que soit le choix qu'ils feront. Armai departamentii Rislavor a avut su ala tozisolul o ezișire în așenea o amars. Su ala limii oatru ai loi și zungă tu amenea balul la înțiru. Su ala limii oatru ai loi și zungă tu amenea balul la înțiru. Ha? 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 Ha?
avec votre nom. Ici, c'est le quartier des gens de grosse gueule, quoi, qui osent dire non. Bien non, on va nous voter pas. Bon, on bouge, hein. On va passer par les hauteurs là-bas. Il y a combien d'habitants à Mayotte? À Mayotte, à peu près dans les 200. Le dernier recensement fait état de 226 000, je crois. Non, celui de 2007, il fait 186 000. 190, oui, mais en fait, nous on estime, on n'était pas d'accord déjà avec le recensement. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est simple, c'est que quand on va dans ces bangas-là, c'est-à-dire les gens fuient. Les gens ont toujours peur, parce que la plupart du temps, c'est des clandestins. Donc, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de papier. Donc, ils n'aiment pas être recensés. Vous n'avez jamais participé à une rafle? Non. Oh. Ouais. Il suffit de sortir le matin, vous allez voir. De chez moi, je les vois passer. Enfin, ils vont... C'est quelque chose d'infernal. Hein. Ils s'arrêtent. Moi, j'ai vu une fois, là, ils ont dit à une dame, madame, vous allez où? Je vais à l'hôpital, montez ici. Et ils l'ont fait monter dans la voiture. Et surtout, il y a... Parce qu'à la limite, la police nationale, elle est un peu plus humaine que celle qu'on appelle la PAF. Parce que la PAF, c'est une police tournante. Elle vient, elle séjourne 3 mois et elle s'en va. En général, c'est des gens qui viennent de la Réunion, de France, etc. Donc, il n'a de compte à rendre à personne. Et il y a eu des scandales assez énormes ici. Par exemple, une fois, ils ont arrêté un caddie à Tsunzu, d'ailleurs. Et le caddie leur dit, bon, il était de ce côté. Ma maison, c'est celle-là. J'entre là pour chercher mes papiers. Ils l'ont carrément tabassé. Il y a eu des scandales comme ça. Il y en a eu beaucoup, hein, comme ça. Hein. Des trucs comme ça où ils t'arrêtent à quelques... Bon, tu sais, l'habitude de sortir ici avec les papiers, c'est quelque chose de... Bon, et c'est d'autant que il y a beaucoup... C'est ça le drame, c'est que tu trouves beaucoup de Mahorais qui n'ont pas de papiers. Ils sont nés ici parce que on exige, pour être en règle, pendant un certain temps, on exigeait les 3 générations. C'est-à-dire que moi, mon père et mon grand-père, ou bien ma mère et ma grand-mère. Bon, or, déjà, l'état civil actuel de nos enfants n'est pas tenu correctement au niveau des mairies, puisque les mairies datent de 78. Et on se heurte à des choses bizarres. Moi, j'ai connu, par exemple, un monsieur de Msapéré qui avait été promu maire à Dembéni. Et l'année dernière, il voulait se rendre à la Mecque. Alors, avec les nouvelles dispositions, on lui dit... le type est assez âgé, hein, il doit avoir maintenant ses 70 ans. On lui dit, il nous faut l'acte de mariage de ton père et de ta mère. Il a dit, mais mon père et ma mère, moi, je ne les connais pas. Puisque quand je suis né, quelque temps après, ils sont morts. Donc, moi, je ne les connais pas, je ne sais même pas s'ils étaient... Et à l'époque, qui c'est qui allait à la mairie pour se marier? On appelait le caddie, on faisait la prière, bon, c'est bon, allez, vous êtes marié et femme. Et puis c'est tout, ça s'arrêtait là. Donc cette histoire d'état civil, c'est vraiment un problème sérieux. Actuellement, je n'ai pas encore des papiers. J'ai fait les démarches, mais la préfecture, c'est un peu galère.
Donc, les démarches sont là et j'espère que ça va aboutir plus vite parce qu'après mon bac, je voudrais quand même continuer mes études. Et si la préfecture ne me répond pas, là, je serai un peu dans la galère. Ben, ici, en Comorien, surtout à l'école, tu te sens vraiment, isolé en te rejetant un peu, parce que voilà, et tu n'oses pas trop dire que tu es Comorien, parce que c'est comme si, on te dit, ah, t'es Comorien, oh, qu'est-ce que tu fais là, retourne chez toi, style, un truc comme ça. Et tu te sens un peu mal à l'aise, du coup, des fois, on évite d'en parler, surtout quand tu connais pas trop la personne. Ici, à Mayotte, de toute façon, les gens qui ont des papiers, même s'ils sont comoriens, ils se disent qu'ils sont des Mahorais, tu vois, parce qu'ils ont des cartes d'identité françaises, ils ont la nationalité française. La mère, c'est sûrement, elle est comorienne, ou le père, ou la grand-mère. Mais ils disent jamais ça, ils disent que voilà, je suis française et puis voilà, c'est tout. Aujourd'hui, les règles juridiques sur l'entrée et le séjour des étrangers à Mayotte sont des règles spécifiques qui n'existent nulle part ailleurs en France et qui facilitent le travail de la police et de la gendarmerie. L'engagement qui est pris par le gouvernement français dans le pacte, c'est que même si Mayotte devient un département, ces règles spécifiques seront maintenues à Mayotte tant que la question de l'immigration n'aura pas été réglée d'une autre façon. Aujourd'hui, l'État français consacre des moyens humains et financiers considérables dans cette lutte contre l'immigration clandestine. Des radars, des fonctionnaires de police, des gendarmes, des bateaux supplémentaires. Le résultat est là, puisque depuis plusieurs années, l'État reconduit dans leur pays, tous les ans, 16 000 personnes. Mais je le dis avec force, l'efficacité de cette politique ne peut pas reposer uniquement sur l'État. Et les Mahorais eux-mêmes devront apporter leur concours en adoptant une attitude civique et responsable aux côtés de l'État. Je pourrais mettre tous les gendarmes, tous les policiers, tous les bateaux dans le lagon, je pourrais couvrir l'île de radars, ça ne servira à rien tant qu'existera à Mayotte des filières de faux papiers, des Mahorais qui facilitent l'entrée des immigrés en allant les chercher sur les plages, en leur proposant des transports, en les employant illégalement et en leur louant des bangas dans des conditions scandaleuses. Et je le dis à mes concitoyens, nous n'arriverons à régler cette question des étrangers que si nous travaillons dans le même sens, avec le même objectif. Et l'État condamnera sans réserve les trafiquants de faux papiers, les employeurs de personnes en situation irrégulière et les personnes qui facilitent le transport ou l'hébergement de ces étrangers, parce que ces Mahorais-là, ils jouent contre l'intérêt de leur société. Zambiloba, arwa departema, ilazima nitenar la gwe, zinyahusu, mgilia wajeni, unumawe.